Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour Sonic Generation sur PC, vidéo test. Un jeu que j'ai très bien aimé. Un Sonic 3D digne de ce nom. Qui a en fait comme spécialité, tout simplement, c'est qu'on joue à la fois avec Sonic en 2D, le Sonic classique. Que vous voyez, hein, on fait que des niveaux en 2D avec lui, bien sûr les graphismes sont en 3D, ou Sonic moderne qui est fait pour le niveau 3D, voilà. Donc là on est parti pour la Green Hill Zone. Bon, on va la faire à la Sonic 2D side parce que c'est plutôt Sonic 2D ça. Vous voyez, c'est super rapide, c'est Sonic quoi. La vitesse est au rendez-vous dans ce Sonic. Et là, il y a les ennemis repris du tout premier Sonic. Sonic the Hedgehog 1 sur Mega Drive. On voit les crabes. Les crabes rouges robotiques. Et là, comme vous pouvez le constater, là, je viens d'avoir 50 anneaux et donc je peux me transformer en Super Sonic. C'est un truc qu'on a quand on finit le jeu une première fois. Regardez, voilà, Sonic change de skin, il a la classe, il est un tout petit peu plus rapide, enfin à peine, mais la grande différence c'est qu'il saute deux fois plus haut. Ouais, il saute encore plus haut, donc ça peut aider des fois dans les plateformes, mais des fois ça peut être chiant parce qu'en fait les ennemis sont un peu placés de manière bah voilà, comme celui-là, là. Voilà, celui-là, c'est plus compliqué de sauter avec Super Sonic que Sonic normal. Parce que l'ennemi est un peu bas. Comme vous voyez, les fameux loopings encore, et... Voilà, graphiquement, ce jeu est magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu avec une réalisation graphique complètement améliorée. C'est encore plus beau que Sonic Unleashed. Qui est pourtant quand même un très beau jeu aussi, Sonic Unleashed. Les Sonic en HD, hein, c'est stylé, quoi. Voilà, il y a aussi Chemical Plant, un niveau de Sonic the Hedgehog 2. C'est très exactement, c'est le deuxième niveau de Sonic the Hedgehog 2, enfin la deuxième zone. Là, celle-là, c'est l'une des dernières zones de Sonic and Knuckles. Sonic the Hedgehog 3, quoi, en gros. Enfin, la suite de Sonic the Hedgehog 3. Sonic and Knuckles. On peut voir Knuckles à côté. Bon, qui nous aide un peu. Comme par exemple, Tails nous dit au début que vaut mieux passer dans les passages plus hauts, dans les niveaux, pour aller plus vite. Et ça, c'est vrai. C'est toujours les meilleurs passages, mais les passages les plus durs à prendre. Faut connaître par cœur le jeu pour par cœur le niveau pour le savoir. Sinon il y a les modes mission aussi, il y en a tellement des missions. Il y a des missions intéressantes, enfin là elles sont pas trop intéressantes celles-là. Je vous montrerai des missions vraiment pas mal. Ou carrément on est en skateboard. Bon après il y a les Sonic Adventure qui ont été repris aussi. Voilà, Sonic Generation, comme l'indique son nom. C'est un Sonic avec tous les autres, enfin tous les anciens opus de Sonic. Montre les différentes générations de Sonic en gros. Le tout premier Sonic sur Mega Drive, après les Sonic sur Dreamcast, hein, Sonic Adventure et Sonic Adventure 2. Et puis après bah, les nouveaux Sonic, hein, Sonic Colors, Sonic Unleashed. Et puis bien sûr le raté, le Sonic le plus merdique que l'on a jamais vu. Enfin, le Sonic Adventure qui est tout pourri, c'est Sonic the Hedgehog tout court, hein, 2006 sur Xbox 360 et PS3. Une grosse merde, on peut le dire. Parce que j'avais essayé sur PS3, franchement, bon, c'est pas incroyable. Donc là je suis en train de chercher, mais bah là c'est les jeux du forage, fonce à travers les boîtes et descend vers l'arrivée. Par exemple on va essayer ça. Avec Sonic moderne. Ah,
Et puis j'avais mis une musique spécifique, tiens. J'ai mis le thème principal de Sonic, là. Là, on descend carrément d'un immeuble, c'est tellement stylé. Et voilà, et là... En fait, c'est repris du niveau de... comment il s'appelle déjà? Speed Highway de Sonic Adventure 1. Et là c'est le mode mission, donc bon. C'est quand même un peu moins bien, mais... Mais étrangement, les modes mission, c'est un truc très important dans ce Sonic. Contrairement aux autres Sonic, où les missions, c'est vraiment des trucs anecdotiques. Des trucs pas très intéressants. Alors que là, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait beaucoup de boulot. Parce que les missions ne se ressemblent, il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Elles sont toutes originales les unes des autres. Donc ça c'est pas mal. Et voilà la fin de la mission. Bon, c'est extrêmement facile d'avoir S à celle-là, parce que franchement là j'ai joué pas terriblement on va dire. Donc par contre je suis en train de chercher les niveaux avec le skate là, ils sont plus loin. Mais je peux pas descendre. Voilà. Celui-là, c'est le niveau le plus speed du jeu. Mais de toute façon, je vais pas trop... Dans cette vidéo, je vais pas trop vous faire les niveaux principaux. Parce qu'en fait, j'ai fait un montage où il y a tous les niveaux que j'ai fait. Ben, un petit montage où... Ben, je me suis capturé et je jouais bien, quoi. En même temps, c'est plus facile de se concentrer en... En ne parlant pas, quoi. Ah tiens, celle-là, elle est pas mal. Enfin, les deux missions, de toute façon, là, elles sont pas mal dans celle-là. Là, vous voyez, un personnage totalement pathétique de Sonic. Queen, avec Cheese, là. Enfin, avec plusieurs Cheese. Plusieurs KO. Et là, on doit faire le niveau de... le niveau City Escape. Mais en mode, enfin un peu différent, en mode difficile on va dire, parce que là il y a plus de pics et tout, enfin voilà. C'est un peu plus dur comme vous le voyez. Et sachant que il n'y a pas d'anneaux dans le niveau, c'est nous-mêmes qui avons des anneaux en réserve. Donc vous pouvez le voir, c'est les Cheese qui portent les anneaux, qui nous restent. Là il m'en reste 4 je pense, ouais. Oui comme on peut voir, et pour que je me prenne un anneau moi-même, et bah, j'appuie sur le bouton Y, si jamais j'ai plus d'anneaux. Comme toujours, Sonic a une panoplie de mouvements assez limitée. On peut faire le homing attack. On peut faire le speed dash. Le spin dash, on peut le faire que avec Sonic 2D. Sonic classique. Lui, à la place, il a une super accélération. Il y a la mort qui tue tout. J'arrive pas à aller sur le truc. Alors là, je joue vraiment comme une merde. Faut faire gaffe... au robot. Quand on est sur les barres, faut appuyer au bon moment pour pouvoir foncer, pour pouvoir réussir à se projeter. Ah, là, quand il y a un mur comme ça, ça veut dire qu'il faut activer des interrupteurs. Bon, truc pas trop utile dans un Sonic, on va dire. Si on cherche plutôt la vitesse. Et voilà, j'ai réussi, j'ai eu que A, mais c'est pas grave. Mais j'ai joué comme une merde en même temps. J'étais genre à quelques secondes près du truc. Du S. Ah si, et aussi le mode skateboard de Sonic Classic. Ouais, vous allez voir, c'est assez énorme. Et voilà. Carrément. On fait du skate. Avec Sonic classique, hein. S'il y en a qui auraient rêvé de faire du skate avec Sonic classique, hein. Sonic 2D. Bon, bien sûr, c'est repris de City Escape, là. Je joue comme une merde, c'est incroyable. Normalement, ce niveau, bah, faut quand même le connaître par cœur pour réussir à avoir S. C'est pas, il est pas évident. Voilà, on saute là. Ouais, là faut sauter au bon moment surtout. Mais je trouve que c'est super fun de le faire ça. Bon, là en vrai ça lag à fond, mais c'est normal, c'est parce que voilà, frappe.
Mais en vrai, le jeu est super fluide. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, il est vraiment configuré pour tous les PC, hein, ce jeu. Et attention à la scie circulaire. Il est vraiment configuré pour tous les PC. Parce que on peut vraiment aller de résolution au maximum 1920x1080 à une résolution très basse comme 640x480 le minimum. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors ça c'est quoi, le soleil et la mer? Ah, et ça c'est pas mal aussi ce petit niveau. Vous voyez, des missions pas très longues, enfin quoique il y en a vraiment qui sont longues. Ah, franchement, la première fois on met à peu près 1 minute 30 celui-là. Ouh là là, ça lag, ça lag. C'est en mode lag là. Lag ultime. C'est bizarre, quand j'ai fait la run, ça laguait pas comme ça. C'est quoi, mon PC il est encore plus pourri qu'avant? Je comprends pas. Ou alors le mode mission, je sais pas. Bon, voilà, là en fait c'est le niveau de... je sais jamais comment il s'appelle. Mais le premier niveau de Sonic Heroes. Qui est... ah voilà, qui a été complètement changé là, en mode mission. Il est un peu plus compliqué, et puis... en fait c'est le même environnement, mais c'est pas du tout la même structure du niveau. Bon... Vous en avez vu assez, je pense. Les temps de chargement aussi sont presque instantanés avec la version PC, contrairement aux versions console HD. Il y a une version 3DS aussi, qui est complètement différente. Où le jeu est entièrement en 2D en fait. Même avec Sonic moderne. On a bien sûr cette espèce d'accélération. Mais c'est en 2D, tout le temps. Tiens, voilà, c'est une petite mission marrante. Sinon, les missions où il faut sauver les animaux, mais bon, ça c'est assez moyen. Voilà, là, il y a Rouge qui va nous aider. Parce qu'en fait, ces ennemis-là, normalement, sont invincibles. Voilà, vous voyez, ils se protègent toujours avec leur bouclier. Donc, on est obligé de se les faire comme ça, bah, en balançant Rouge qui fait des espèces de bisous avec plein de cœur. C'est très bizarre. C'est malsain. Purée. Et comme ça, les robots sont complètement amoureux et on les défonce. Moi, je sais, c'est con. C'est très con, mais c'est comme ça. Donc, bon, c'est une petite idée sympa. T'as, par contre, lui, il a pas envie d'être amoureux. C'est vraiment n'importe quoi. Bon allez, on y va comme ça, on s'en fout, là, il y a assez de plateformes. Parce que chaque ennemi qu'on tue, bah, ils font apparaître une plateforme. Je vous avais dit que le jeu était rapide. Ah purée. Ah là, je joue vraiment n'importe comment. Pour tout vous dire, je l'avais refait quand même plusieurs fois, parce qu'il est pas facile ce niveau à avoir S. Ah purée, c'est pas vrai, il se protège au bout de même pas une seconde là. J'ai l'impression que c'est pire que quand je joue tout seul. Attendez. Allez, vas-y, sois amoureux. Ennemi de merde. Des ennemis de repris de Sonic Heroes. Également ensuite avec Sonic Colors. Mais bon, franchement... Ils ont très très bien repris les anciens niveaux, parce que dans Sonic Génération, parce que c'est vraiment les mêmes skins. Enfin bon, vraiment mieux fait bien sûr avec la HD, mais c'est les mêmes skins dans chaque niveau. Bah, ils ont repris vraiment les skins parfaites pour le niveau, quoi. Les skins qu'on avait. Enfin, vous avez compris, quoi. Je suis en mode galère pour expliquer. Voilà, ah, c'est extrêmement facile d'avoir A, clairement. Extrêmement facile d'avoir A, mais après, S, c'est une autre paire de manches. Là, le Perfect Chaos, ça c'est des boss, mais je vous ai déjà fait... Je vous ai déjà fait la vidéo sur les boss.
le montage, là par exemple. Là, une spécificité dans ce Sonic, enfin, dans les modes mission, on a, voilà, des pouvoirs, d'éléments des fois, repris de Sonic and Knuckles. Donc avec ça, on peut foncer, vous voyez, on peut aller très vite, en appuyant une fois sur le bouton A et une autre fois, et ben, il se projette en gros. Donc c'est comme ça que on peut passer très facilement des fois des trucs de plateforme. Oui, mais là je galère. Je sais pas pourquoi. Et aussi on se fait pas toucher par les flammes. Voilà, vous voyez. Là j'étais complètement allé dessus et ça m'a rien fait. Mais par contre il est chiant cette mission de merde là. J'ai pas pris une bonne mission. Ah voilà. Bon, je crois que lui, je l'avais fait qu'une fois, franchement. Ou deux, peut-être. Parce qu'il est vraiment pas dur. Même si je joue comme une grosse merde encore. Attention, ennemi de merde! Voilà, faut absolument que je prenne les flammes, parce qu'il y a plein de flammes là. On est protégé aussi quand on est sur la lave, je crois aussi. Voilà. Là. Le level design fait exprès pour ce pouvoir. Ouais, d'accord. J'arrive pas à monter, c'est énorme. Allez, vas-y. Voilà. 30 secondes de S. Purée, oh bah. C'est bizarre que j'ai réussi du premier coup. Non, je pense pas que j'ai réussi du premier coup. Donc, je vous montre un autre niveau de skateboard qui est vraiment sympa. Alors moi, j'aime bien le niveau de skateboard. Course alter ego, sinon ça, c'est une mission moyenne. C'est exactement le même niveau, mais avec Sonic qui nous poursuit. Enfin, on fait une course avec un autre Sonic. Un fantôme, quoi, en gros. Comme dans Mario Kart. Mais sauf que, franchement, c'est super simple. Super simple de doubler. Et le challenge, c'est plutôt d'avoir S, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir S dans ce mode mission que dans le niveau normalement. Comme là, par exemple, j'ai énormément eu de mal à avoir S. Et vous voyez, on peut faire des figures. C'est vraiment bien fait. C'est la classe, tout simplement. C'est la Sonic Style. Là, j'ai plus d'accès l'eau. Oui, l'accélération, le turbo, là. Comme ils appellent ça. On peut le faire que quand... C'est à moitié buggé. On peut le faire que quand bah, on fait des acrobaties, comme ça. Ou quand on tue des ennemis. La jauge se remplit. Ou quand on récupère des anneaux. Bon, les boss dans ce jeu sont pas mal. Ils sont variés. Voilà, regardez ce magnifique décor, super bien fait. Si vous avez bien fait gaffe, parce que bah oui, tout le décor était en 3D. Hein. C'était pas une ville en 2D de loin. C'est super bien fait. Distance d'affichage de gros ou faux quand même. Puis sur les versions console, c'est très très beau aussi. À ce qui paraît, la version PS3 lag un peu. Et sinon, la version Xbox 360 est très fluide. Et la version PC est la plus fluide, bien sûr. Même si là, vous voyez que ça lag à fond. Et j'ai eu S, je sais pas comment ça se fait, parce que j'ai vraiment eu du mal avant. Donc. Bah, Charmy, tiens. Là, c'est un niveau avec Sonic classique, je crois. Voilà. Niveau avec Sonic classique. Là, en fait, on fait une course contre Charmy, et Charmy, des fois, il nous débloque des trucs. Alors, je crois que c'est une course avec Charmy. Ah non, c'est pas une course, c'est lui qui nous aide, je crois. Non, peut-être que c'est une course, je sais, j'ai pas trop compris. Mais bon, il... En gros, il active des trucs pour nous emmerder, des fois.
Donc voilà, des petites missions sympatoches comme ça aussi. Bon, c'était pas mes préférées, celle-là. Je vois plus rien. Je vois encore plus rien. Je me fais toujours écraser. Vous voyez que c'est quand même beaucoup de plateformes dans ce Sonic. Hein. On va pas tout droit et pouf, c'est bon, on a fini le niveau. Pas comme dans Sonic Unleashed. Dans Sonic Unleashed version PS360. Parce que oui, je me suis tâté de cette version sur PC. Bah, je vous montrerai ça après. Là, vous voyez. C'est quand même une mission très longue. On n'a pas l'habitude de voir une longueur de mission comme ça, hein, dans les anciens Sonic. 1 minute 30. Et en tout, il y a 96... non. En tout, il y a... Oui, il y a 90 missions. Donc c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de missions. Il y en a 100 dans... Il y a 100 missions dans la version 3DS, mais bon... c'est une mission faite à la va-vite, elles se ressemblent toutes. Alors que là, franchement, c'est vraiment des missions bien faites. Par exemple, celle-là. Là, c'est dans le niveau de Sonic Colors. Vous allez le voir. Sauf que là, c'est totalement changé, parce qu'en fait, là, c'est à moitié comme si c'était la matinée, là. Le soleil qui vient juste de se lever. Ou la lune, plutôt. Mais on est sur une planète assez étrange. Où on dirait une lune. Faire des acrobaties, voilà, en mettant le stick vers l'avant quand on est en train de voler, des fois sur des plateformes. Et puis Y, là je viens juste d'appuyer sur Y, sur les anneaux qui sont en surbrillance, ça veut dire qu'on peut les suivre tous en on peut les suivre en ben, vous avez vu à la méthode de... Attends, j'ai failli tomber. À la méthode de Sonic... Sonic Adventure. Voilà, vous avez vu en gros ce que c'était le niveau. Je voudrais aller assez vite parce que bon, je voudrais vous montrer pas mal de trucs. Quand même, pas mal. Pour montrer à tel point que les niveaux de mission sont très différents. Bon, ça c'est course alter ego. Il y a juste ça qui est chiant. C'est course alter ego. Là j'ai fait 5 minutes 17, vous allez voir que dans mon montage je vais pas faire 5 minutes 17 je crois, je vais faire un peu moins bien, mais bon, je joue quand même bien on va dire, un peu de jonglage voilà. Bon ça je vais pas vous montrer très longtemps cette mission là parce qu'elle peut être un peu saoulante à regarder quand même. Voilà, faut jongler, plus on avance dans le niveau plus ça va être compliqué de jongler cette chose. Il faut jongler en fait le portail d'arrivée, donc on peut appeler ça un portail, mais... le panneau d'arrivée, voilà. Et comme vous voyez, faut jongler, sinon s'il tombe, eh bien on est mort. Donc voilà, vraiment des missions une mission qui ne se ressemble pas trop. Il y a eu beaucoup d'idées dans les missions. C'est le point fort de Sonic, franchement. C'est vraiment ça qui augmente la durée de vie, parce que... franchement, quand on fait le mode normal, c'est-à-dire en faisant juste les niveaux, en avançant, bah franchement, le jeu, on le finit en très peu de temps. Ah, purée. Ah, là j'ai perdu 5 secondes parce que là il était trop longtemps vers le bas. Bon, vous avez compris. Il y avait quoi d'autre? Toujours plus haut. Ah bah tiens, là c'est encore un niveau avec Charmy, cette fois-ci avec Sonic classique, moderne. Et voilà. Charmy nous crée une plateforme tourbillon
Donc comme ça on peut passer dans des endroits qui nous ont l'air inaccessibles, tout simplement. Là j'ai activé un truc pour désactiver les pics. Enfin de toute façon vous avez vu. Voilà, là on est complètement obligé de l'utiliser. Voilà, des niveaux comme ça franchement sympathiques. Par contre le jeu lag à fond si vous avez remarqué. C'est un peu pénible ça. Mais... je sais pas si c'est trop gênant en vidéo. Peut-être que c'est pour moi que je joue. Non, en vrai le jeu est fluide. Hein. Ne croyez pas cette vidéo. Enfin, vous avez vu, c'est le bordel à la fin, ça canarde de partout. Donc voilà, il nous crée des plateformes. Et là, qu'est-ce que c'est? Baril, là, il faut exploser des barils bof. Course à terre égo encore. Bon, si. Aussi, je vais vous faire... le niveau de City Escape que j'ai vraiment bien aimé. Peut-être les deux, je sais pas, ouais. Soyons fous! Avec la musique... enfin, je vais pas vous la faire écouter non plus, hein. Parce que vous pouvez l'écouter dans mon montage. Que je mettrai en ligne après cette vidéo. Là, vous voyez... la distance d'affichage est vraiment... donc, très bien. On ressent la vitesse dans Sonic. Enfin, c'est comme un gros taré. Par contre, le gros défaut de Sonic, c'est que... bah, c'était aussi un défaut dans Sonic Unleashed. C'est que Sonic va tellement en ligne droite, des fois que... on peut à peine tourner vers la droite et la gauche. Le Sonic moderne. Et donc... bah, des fois, quand il y a des... truc de plateforme là, il faut vraiment connaître les patterns de Sonic. Parce que sinon on est un peu en mode galère. Les fameuses acrobaties encore. Moi je trouve que ce voilà, vous voyez là les skins des ennemis, là, les robots contrôlés par les humains. Dans Sonic Adventure 2 Battle. Là c'est des ennemis repris de Sonic Adventure 2 Battle. Puisque là, on est dans l'univers de Sonic Adventure 2 Battle. Parce qu'on est dans City Escape. La cité de la fuite. En gros, c'est ça. La ville où Sonic s'enfuit. Parce que les méchants humains veulent l'enfermer. Enfin, je vais pas tout vous raconter, hein, c'est une histoire avec Shadow. Voilà. Vous avez vu normalement les vidéos de Sonic Adventure 2 Battle. Vidéo partie. Attention, attention. Et là, le retour du camion. Ça faisait bien longtemps ça. Le fameux camion à la fin, avec aussi une remix un peu. Non, je crois pas que ce soit une remix, hein. C'est exactement la même musique hein, que la version Dreamcast ou GameCube. Donc là vous voyez que je peux me transformer en Super Saiyan. La Sonic est méga rapide. Surtout qu'il y a des fois, à des moments, Sonic il peut planer, il peut carrément voler quand on appuie sur Y. Mais là il peut pas parce que bien sûr on est en train de se faire poursuivre. Notez que les graphismes aussi sont très très jolis quand même sur la version PC. Quand même, vous voyez les nombres d'immeubles, c'est assez impressionnant. Ils sont très bien modélisés. Surtout, la plupart des jeux où c'est de la vitesse comme les jeux de course, ils sont souvent obligés de baisser les graphismes pour augmenter le framerate, la fluidité.
Parce que les jeux de vitesse, il faut absolument avoir une bonne fluidité, bien sûr. Bon, il faut pas jouer à Sonic Generation en 30 FPS, hein, jamais. Le sprint ultime. Bon, ce niveau il est aussi pas mal, mais je vais pas utiliser Sonic Super Saiyan parce que là il est un peu chiant. Parce qu'il peut pas faire du skateboard. Et ouais. C'est pas si cheaté que ça, hein, Sonic Super Saiyan. Même si en fait on est complètement invincible hein, quand on est en Super Saiyan. Bon, c'est, on va dire, un peu cheaté. Un peu. Surtout que ça dure très longtemps quand même. Hein. Voilà le camion là qui nous poursuit pendant tout le niveau, c'est énorme. Grosse référence à Sonic. Grosse référence à Sonic Adventure de Battle. Puis la, le remix est énorme. Franchement à moitié en électro quoi, le machin c'est de l'électro. Et je trouve que ça fait vraiment stylé, c'est. Bah c'est pas mal quoi. Ah bah tiens un record. Ah bah tiens j'ai fait mieux que la vidéo. J'ai fait mieux que le montage alors que j'ai parlé, d'accord. Normal. À force de faire le jeu quand même. Je commence à peu le connaître. Ah et aussi là vous voyez, ça c'est des emblèmes qu'on ramasse. Des espèces d'anneaux là, rouges. Qu'on ramasse dans le niveau. Là je les ai pas tous récupérés, il m'en reste deux. Bah c'est juste pour débloquer des petits bonus, des images, des artworks. Bah voilà, tout ce qui est images et musique aussi. Enfin non, non, les musiques, je les ai tous débloquées. Les musiques, ça se débloque pas comme ça. Ça se débloque grâce au mode mission. Je vais vous montrer ça. Par exemple, cette mission-là, vous voyez la cloche là, elle est. Je peux plus la faire bouger, mais avant, on pouvait la faire sonner en sautant juste. Et il y avait une note de musique qu'on ramassait comme ça et on gagne une nouvelle musique. Voilà. Et ça, c'est la cloche apparaît que quand on finit les deux missions de ce cercle. Voilà. On tient un espéomètre en camouflage, on va faire. Oula, là ça lag. Alors je pense que je vais vous retrouver après. Je vais un peu configurer Fraps parce que là c'est vraiment catastrophique des fois. Attendez. Voilà, je mets en pause. On se retrouve de suite après. Désolé, c'était pas du tout préparé ça. Je crois que ça allait être plus fluide. Donc là, ça, je crois que ça va aller. Enfin, en tout cas, un peu mieux. Bon, parce que notons que j'ai pas un PC incroyable. Bon, la vitesse. En tout cas, il est pas fait pour être filmé avec Fraps. Là, c'est une phase assez originale où on doit trouver Espio en l'éclairant. Comme vous avez vu. Voilà, comme ça. En faisant bouger le truc. Bon, je sais pas où il est. Voilà, il est là-bas. Et puis après, faut le taper. Enfin, faut lui foncer dessus en homing attack. Comme ça, ben. On peut se le faire. Et ça ouvre le passage. Enfin, ça nous ouvre le passage. Voilà, là, il y avait une porte. Là, on peut passer maintenant. Là, toute l'explication. Purim. Pourquoi il veut pas tomber là-dessus?
Voilà, donc faut avoir Espio. Assez facile à avoir quand même. Et voilà, j'ai gagné. J'ai eu S. Tranquille. Alors aussi, il y a course alter ego encore. Purée, décidément. Course alter ego, il y en a tout le temps. Ah, ça c'est vraiment pas mal celui-là. Je crois que j'avais mis une musique spécifique. Ah non, je l'ai enlevé, mais... il est pas mal ce niveau. C'est là, en gros, c'est un niveau spécial où il y a... enfin, une mission spéciale où il y a plein de... vous voyez, plein de flics. Enfin, des espèces de robots flics. Il va y en avoir partout. Mais à la fin, ça va être tellement n'importe quoi, vous allez voir. Purée. C'est pas vrai? Bon, je trouve que le maniement de Sonic, par contre, est assez étrange. Il faut s'habituer au début. C'est pas comme sur Mega Drive. Bon, ça fait vachement plaisir pour moi en tout cas de revoir les Sonic Adventure là-dessus en HD et tout. Et bon, il y a aussi Sonic Colors, mais bon, enfin, c'est pas trop du nostalgique là. Le jeu, il est sorti en 2010 alors que lui 2011. Mais bon, puis la version 3DS est sortie pas longtemps après. Hein. Bon là j'ai fait les cons, j'ai sauté sur les ennemis, je pouvais largement plutôt faire juste un spin dash. Mais bon. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission? Je pense qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, il y a d'autres missions qui sont très très originales, il y a même Vector à un moment qui nous attaque avec des notes de musique, on doit être en rythme quoi d'une musique. Parce que Vector en même temps, je sais pas, il joue de la musique ou un truc comme ça et... on doit l'avoir sur son propre jeu. Je sais que c'est assez étrange comme ça. Voilà, c'est Knuckles qui nous libère des anneaux ou des conneries du genre. On doit trouver trois emblèmes. La fête des ballons, là c'est où il y a que des ballons dans le niveau, vous allez voir. C'est pas mal. Voilà. Bon là, on fait le niveau repris de Sonic & Knuckles. Vous voyez quand même, le niveau est très très beau. Enfin, de toute façon, il n'y a pas un seul niveau qui est complètement raté. Hein. Ils sont vraiment tous bien faits. On voit que les développeurs... ils ont vraiment eu envie de faire ce jeu. Franchement, pour moi, il mérite franchement d'être sorti, contrairement à Sonic the Hedgehog 2006. Voilà. Qui est une grosse bouse. Faut le dire. Non seulement il est pas très beau, et puis en plus, il est complètement buggé. Jamais vu un jeu aussi buggé. Là c'est des Futurbo. Ouais. Mais sinon il y a des missions où carrément les ennemis nous attaquent deux fois plus rapidement. Bon, on retrouve Metal Sonic, hein, bien sûr. Que j'ai fait en boss aussi. Je fais tous les boss de toute façon. Ah, aussi une phase assez originale avec Tails là. Est-ce que c'est là? Ah, là c'est le parcours qui s'effondre. Voilà, Tails à toute allure. Mais moi je préfère pas prendre la course où on fait contre Tails. Bon, c'est assez facile et puis voilà quoi, c'est classique, c'est une course quoi. Sauf que Tails est dans son avion. Dans son tornado et... moi je préfère vous faire un niveau plus original où Tails nous aide. Voilà, il y a Amy qui nous aide à aller refaire celui d'ennemi. Et puis après celui de Tails, et puis après ce serait bon. J'arriverai à sauter plus haut avec mon marteau géant Pico Pico. Avec la tour Eiffel, tout est
Voilà, là faut appuyer au bon moment pour qu'elle nous lâche un gros coup. On voit que la VF est complètement... Enfin, même en version américaine, enfin... C'est totalement pourri aussi. Je sais pas pourquoi les personnages y parlent. Allez, sprint! Encore la voix de Sonic, ça va, mais bon. Après, c'est un peu... C'est un peu du kikoulol, quoi. Donc là, vous voyez, c'est quand même un niveau assez intéressant. Faut appuyer au bon moment. Sur Y. A chaque fois, on utilise Y, hein, quand c'est dans ce genre de mission, on a des capacités spéciales comme ça. Là, je crois que je suis bientôt à la fin. Ah, là, je me suis planté, par exemple. Je perds pas beaucoup de temps, quand même, hein, quand on se plante. Oh là là! Là, c'est... à la fin... Et voilà, j'ai réussi! Incroyable! Bon. Et puis comme vous avez vu, il y avait un chronomètre et ça, ça nous permet de retirer quelques secondes. Voilà, je suis en train de chercher désespérément Tails. Ah bah il y a. Pas mal ce niveau aussi. Il y a Tails qui nous aide. Là, je sprint. Ah mais pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il m'a pas aidé là? Ouais, voilà. Donc là vous voyez, il nous porte. Repris de Sonic. Bah, c'est à partir de Sonic un Knuckles qui peut nous porter. Bon, c'est un peu con quand il vole. Hein, il... J'entends sa petite voix. C'est... On entend qu'il souffre, hein. Sonic est un peu lourd peut-être. Voilà, puis ça fait plaisir dans ce Sonic pour en tout cas les vieux joueurs, hein. Ça fait plaisir de revoir Sonic dans sa toute première skin, c'est-à-dire là, Sonic classique, comme ils appellent ça. Ah, vous allez voir, c'est pas mal cette phase là. Voilà, dans les petits anneaux comme ça on peut aller plus vite. Les anneaux verts. Ah, le cercle vert. Parce qu'on va pas s'embrouiller avec les anneaux actuels. Bon, voilà, vous avez compris en gros. Ah, j'ai du mal à quitter. Donc maintenant je vais vous montrer le mode que l'on peut avoir que sur PC. Un mode très spécial d'ailleurs, que je vais vous montrer de suite après. Et on se retrouve pour le Sonic Unleashed Project. Vous allez voir ce que c'est. C'est en fait Sonic Unleashed, il est pas paru sur PC. Il était que sur console HD. Et donc bah là... Des débutants ont carrément créé un Sonic Unleashed PC. Bon, bien sûr, qui est complètement reprise de la version Xbox 360. En fait, là, c'est la version Xbox 360. Donc, voilà, il y a tous les niveaux. Avant, c'est en train de laguer, mais c'est normal. Par exemple, le tutoriel. Bon, là, vous voyez quand même, par contre, c'est buggé là sur le côté. Bon, ça, c'est normal. Parce qu'en fait, ils ont tout mis ça, mais sur. L'interface de Sonic Generation. Et donc bah, comme vous voyez, la jauge turbo elle est comme ça, alors qu'elle est pas du tout comme ça dans Sonic Unleashed. Enfin, elle est un peu différente. Voilà, donc là c'est le même interface que Sonic Generation, et c'est tellement le même interface qu'on peut se transformer en super guerrier même bah, pendant ces niveaux là. Donc voilà, c'est pour le fun.
Par contre, le mode super guerrier, c'est pour le fun. Et aussi le mode de Sonic classique, parce qu'en fait, il est complètement buggé, en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer. Le sprint. Vous voyez là. Les graphismes sont complètement repris de la version Xbox 360. Mais bien sûr, sauf que... sur PC, on peut mettre en mode 1920x1080, résolution 1920x1080. Alors que sur Xbox 360, c'est du 720, voilà. Celui-là aussi qui est très beau. Ah voilà, celui-là, en fait, je vais vous montrer ce que c'est, le mode Sonic classique. Il y a des niveaux carrément qu'on peut pas faire avec Sonic classique. Regardez. Palpitant, n'est-ce pas? Et c'est comme ça pendant très longtemps, hein, vous allez voir. Parce qu'en fait, là, c'est complètement repris de Sonic 3D, en fait. Normalement, là, on a une longue face aussi, comme ça, avec Sonic 3D. Sonic moderne. J'arrête pas de dire Sonic 3D. Mais, comment dire, ils ont fait eux-mêmes exactement le même niveau qu'à Sonic 3D. Mais avec Sonic classique. Vous allez voir que c'est quand même assez mal foutu par contre. C'est vraiment pour le fun, c'est tout. Même déjà, il n'y a pas de bruitage là quand on explose les trucs. Donc c'est assez bizarre. Ah, et puis voilà, regardez quand on s'est bugué. Voilà. Ça c'est vraiment pour le fun là. Ça se voit que les niveaux n'ont pas été optimisés pour ça, pour jouer avec Sonic classique. On dirait carrément que je suis avec une action replay, sérieusement là. Voilà. En plus, on peut bouger en 3D avec Sonic classique, c'est assez bizarre. C'est marrant. On rentre là, voilà. Je vais en avant, il va pas complètement en avant, c'est complètement, comment dire, bizarre. Voilà, bon bah, vous avez vu comment c'est mal foutu. Enfin, c'est la version Sonic classique. Et en faisant ces niveaux, franchement, j'ai remarqué le truc qui me dérangeait le plus, c'était la linéarité des niveaux, franchement. Bah, vous allez voir, par exemple, dans Rooftop Run, qui est l'un des niveaux les plus beaux, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que, bah... Regardez la linéarité, regardez. Je fais juste Y, j'avance. Voilà. Contrairement au niveau que je vous ai montré avec Sonic Generation, là, il y avait vraiment des phases de plateforme. Alors que là, franchement, il y a pas grand-chose, quoi. Contrairement à la version Wii et PS2, où là, bah, pour le coup, c'est quand même... c'est pas que du speed. Il y a aussi de la plateforme. Et aussi, c'est... Comment dire, cette version, si vous avez Sonic Generation sur PC, ben vous pouvez la télécharger, hein, ça... Enfin, faut que vous... Je sais pas, je pense pas que je vais vous mettre le lien sous la description. Bon, je l'ai trouvé assez facilement, hein, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça. En regardant juste si Sonic Unleashed existait sur PC, j'avais trouvé ça. Par contre... Le didacticiel est en anglais. Évidemment, c'est en anglais le truc. Mais bon. Après, le jeu, quand on a Sonic Generation, bah, le jeu reste en français, hein, Sonic Unleashed. Donc, vous voyez, c'est vraiment sympathique, hein, pour ceux qui n'avaient pas connu Sonic Unleashed sur console HD, qui n'ont pas de console HD comme moi. Eh bien, ils peuvent l'avoir sur PC. Et gratuitement. Hein. Enfin. Gratuitement. Si on a Sonic Generation. Il faut acheter Sonic Generation. Bien sûr. Sinon, si on craque le jeu, je sais pas si ça marche. Hein.
Bon, je pense pas, parce qu'il y avait même marqué que faut avoir en vrai le jeu. Donc bon, la plupart qui craquent leur jeu là sur PC, hein, je pense pas qu'ils puissent le faire. Puis là, je me suis planté. Attends, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire le truc avec les anneaux. C'est quand même assez bordélique quand on est en mode supersonique. Bon là, à part sauter et foncer, il n'y a pas beaucoup de choses d'autres. Bon, vous voyez, c'est quand même un niveau très très beau. Ah, attendez. Il faut que je vous montre la fameuse scène où on va super haut et qu'on retombe de haut. Parce qu'il y a ça aussi là, qui a été repris dans Sonic Generation après. Voilà, c'est super bien fait. Bon, aussi les secondes là, plus 18 là, enfin non, moins 18 plutôt, c'est par rapport à la dernière fois où j'étais allé sur ce checkpoint. J'avais fait 18 secondes de plus que là. Voilà. Alors, c'est quand même beaucoup, 18 secondes. Et voilà, là. Bon, bien sûr, c'est quand même moins bien, enfin, on voit beaucoup moins haut que dans Sonic Generation, mais bon, c'est quand même super bien fait aussi. Et là, il faut penser qu'on est sur Xbox 360. Bon, c'est quand même bien fait, hein. Même si la résolution est plus haute. Est plus haute quand même. Peut-être un poil plus beau. Mais vraiment un poil. Mais quand même, ça a été fait par des débutants. C'est quand même impressionnant. Enfin, des débutants. Ils s'y connaissent, mais bon. C'est pas leur boulot, quoi. Bon, c'est quand même bien sympathique de leur part. Voilà, on va sur les côtés. Vous voyez que Sonic Super Saiyan est à moitié buggé quand il est là sur ces trucs-là. Il n'a aucune animation. Il reste toujours en mode plane. Vous voyez la vitesse de psychopathe. Je crois que là, on est à la fin du niveau. Et ouais. Bon, bref, les niveaux sont quand même moins beaux que dans Sonic Generation. C'est normal en même temps. C'est un jeu de 2008. Pour 2008, c'est quand même très beau. Alors là. Bon, par contre, le menu, je sais pas pourquoi, mais le menu il lag un peu, même quand je filme pas. Hein. C'est bon. Ah, Dragon Road. L'une des musiques qui me reste toujours en tête, ça. Ce niveau-là, en tout cas, je l'avais sur la Wii, la Sonic Unleashed, là. Enfin, je l'ai toujours, bien sûr. Je sais pas pourquoi je dis je l'avais. Et voilà, cette musique-là, là, écoutez. C'est franchement une musique qu'on avait toujours dans la tête. Pourtant, c'est pas une musique énorme, hein. Et toute conne. Bon, je sais pas. C'est pas un City Escape le truc. Et voilà, là on voit carrément dans le dragon. C'est vrai que par contre visuellement, les niveaux de Sonic Unleashed sur console HD sont beaucoup plus impressionnants que sur Wii ou PS2. Bien sûr la version PS2 est pas très belle. La version Wii est quand même pas mal, par contre. Attention à... Petite phase de plateforme, attention, mon dieu, mon dieu! Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Ce mode peut vraiment faire tous les niveaux. Je vous montre la plupart des niveaux vite fait. Bah, celui-là, il n'est pas si bien que ça. Bah, lui, on fonce tout droit, quoi. Il est impressionnant visuellement, mais voilà, c'est tout. Sinon, il y a un niveau par contre vraiment fait pour les. Voilà, celui-là. Il n'a pas été repris sur Wii et PS2. Bon, je pense que c'est un niveau qui a été créé
que sur console HD, parce que bon, en même temps la version console HD a été faite un peu après les versions console normale 128 bits, mais parce que la Wii est une console 128 bits hein. En tout cas pour moi c'est une GameCube déguisée peut-être un peu, bon, avec un nouveau moteur graphique quand même, mais ça ressemble pas mal. Donc comme vous voyez, je me suis déjà planté, c'est quand même un niveau assez difficile, c'est l'un des seuls niveaux bah, qui requiert du challenge. C'est le seul niveau bah, où on fonce pas tout droit, tête baissée, voilà. Franchement, les autres niveaux, on peut les faire les yeux fermés, quoi. C'est dire, quoi. C'est des niveaux un peu ratés, je trouve. C'est peut-être pour ça que Sonic Unleashed n'a pas une si bonne note. Enfin, c'est surtout parce qu'il y a les niveaux en loup-garou aussi. Ah, et aussi, je vous ai pas dit, mais on n'a pas les niveaux en loup-garou. Faut pas trop en rêver, non plus. Enfin, non, c'est bien qu'on n'ait pas les niveaux loup-garou. C'est très bien. Ah, merde. Attends, je me suis encore planté. Voilà, mais j'ai envie de vous montrer quand même ce niveau parce qu'il est vraiment pas mal. Même si graphiquement il est pas. Bah, je sais pas, il est pas impressionnant. Bah si, on est en face de très grands immeubles, mais je sais pas. Il est moins impressionnant que Roof 2. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Enfin, le niveau que je vous ai montré juste avant. Il est quand même pas mal. Donc vous voyez une petite phase de plateforme. C'est faut pas trop foncer dans ce niveau. Ah purée, mais j'ai fait Y. Ah purée, par contre ça c'est chiant. Qui se transforme en Super Sonic à deux balles, purée. Quand on veut pas. Ouais, finalement c'est bien quand il n'y a pas Super Sonic à des fois. La B pour se baisser, bien sûr. Parce que Sonic, il peut écraser, il peut piétiner, il peut faire les wall jump. Et il peut faire une glissade. C'est Sonic classique, ça c'est Sonic moderne. Et Sonic classique, lui, c'est juste spin dash. C'est tout. Et sauter. Ah purée! Là, vous voyez par exemple cette phase là, elle est pas trop faite pour être faite avec Super Sonic, parce qu'il saute un peu trop haut des fois. Attention voiture. Même si je m'en fous, je suis invincible, mais bon. Le niveau il fait vraiment penser à GTA par contre. Là c'est un niveau quand même vachement impressionnant quand même. C'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est le meilleur niveau de Sonic Unleashed HD, voilà. Le seul niveau qui a été pas du tout raté. Qui est pas mal. Qui donne exemple aux autres niveaux qui donne un exemple aux autres niveaux, voilà. Simplement. Même si là je fais pas grand chose. C'est super impressionnant quand même. La vitesse. C'était comme ça aussi sur console HD. Hein, parce que c'est exactement. Ça prend exactement la version Xbox. Qui est normalement un peu mieux que sur PS3. Oula, par contre les arbres là, oula, ça fait tâche ça. Bon, c'est un jeu de 2008, hein, on va pas non plus, chaque texture ne sont pas HD et tout. Ah bah tiens, on est déjà à la fin. Attends, je rêve. J'ai mis beaucoup plus de temps l'autre fois. Bon, j'ai que C, mais bon. J'ai jamais rien compris aux notes par contre en Sonic Unleashed Project.
Je sais pas si ça reprend exactement le même truc que sur Xbox. Parce que franchement, le premier niveau, je le fais parfaitement sans aucune erreur. Et j'ai B. Enfin, je comprends pas. I don't understand. Ou j'ai A, je crois. Bon. Bon, vous allez voir. Attends, et là, et celui-là, je pense que c'était le dernier niveau. Ouais. Ah non. Ah mais non, c'est celui-là le... Ah ça c'est le niveau où on est... au Japon quoi, enfin au Japon. Ah et après il n'y a plus rien. Enfin après voilà, il y a crédit. Voilà, là ça met... bah, ceux qu'on fait... le Sonic Unleashed Project. Ah, oui, ils sont pas quand même nombreux mais... Ils ont fait du très bon boulot. En nous proposant Sonic Unleashed sur PC. Voilà, je fais vite fait sur celui-là. Ah bah lui aussi il est vraiment pas mal comme niveau. Enfin il est très difficile. C'est sûr, vous pouvez pas le réussir du premier coup. Là, faut se concentrer entre R et L. Ah putain. Bon par contre techniquement ce niveau là il est pas très beau. Contrairement à la version Wii, pour une fois d'ailleurs. La version Wii est vraiment belle là, sur ce coup là, pour ce niveau là. Par contre, la version console HD elle est vraiment vide, hein, vous voyez, il n'y a presque rien. Par contre, je fais que tomber, ça commence à me saouler. Je crois qu'il est temps que la vidéo doit se terminer quoi. Ouh là là. Non, mais il n'y a pas grand chose, c'est quand même assez vide là. C'est. Bon là, le petit indicateur où on voit Sonic qui tombe, comme je viens de le faire. Bah, ça veut dire bah, qu'il faut faire attention. Repris de Sonic the Hedgehog 1. Pour le coup. Ah putain mais... Ah, c'est pareil. Alors voilà, là c'est des phases vraiment de 3D, de pure plateforme. Et voilà, c'est là qu'on voit les faiblesses de Sonic Unleashed. Ah, je crois que ça nous projetait vers le haut, ça. Bon. C'est là qu'on voit les faiblesses de Sonic Unleashed. C'est que Sonic se déplace très très mal sur les côtés. À part avec L et R. Enfin, comme vous pouvez voir, on fait un espèce de dash sur le côté. Bon allez, moi je vais direct comme ça. Oh, ça ne marche pas. Je m'énerve là. Bon, je veux quand même plus vous montrer que ça du niveau. Mais bon, encore là, je trouve ça logique d'avoir D à ce niveau là parce que j'ai fait 9 minutes. Mais bon. Sinon, des fois, les notes, c'est vraiment... Je sais pas trop par contre si les notes... C'est vraiment les notes originales du jeu. Je pense pas parce que je crois que ça doit être les joueurs, enfin les débutants que vous avez vu là dans le crédit, qui, enfin les amateurs plutôt, qui nous ont montré, qui nous ont fait les notes. Ça doit être genre un speedrunner qui doit avoir S, hein, c'est pas possible sinon. Ouais, techniquement, franchement, celui-là, il est assez... Voilà, quoi. Pas beaucoup de décors. C'est vraiment le... L'un des seuls niveaux où il n'y a pas grand-chose, quoi. Où c'est vide. On voit que de l'eau. Ah si, sauf là, à partir de là, c'est pas mal, par contre. Je dis rien, là, mais... Attention, c'est pas grave, je reprends tout de suite ici. Voilà, les fameux dérapages pour un peu mieux tourner, on va dire. Le piétinement, très pratique pour retomber rapidement. Voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit là. Je vous ai dit pas mal de choses, je pense que c'est un vidéo test assez complet. Et la semaine prochaine, ou enfin la prochaine vidéo,
vous aurez droit à un magnifique run fait par moi de Sonic Generation. Et peut-être que je ferai une run de ce Sonic là, Sonic Unleashed. Même si bon, j'ai pas trop envie. À part pour les deux niveaux, les deux derniers, celui-là et celui juste d'avant, sont vraiment bien à faire, je trouve. Parce que c'est vraiment de la pure plateforme pour le coup. Faut que je fasse gaffe là. C'est aussi dans la version Wii qu'on a aussi ce problème dans Sonic Unleashed. Purée, ça lag. Oh là, 15 FPS. Lag ultime. Ah oui, tiens, il y a le camion là. Comme quoi, il n'est pas réapparu dans City Escape sur Sonic Generation. Je sais même plus de ça. Par contre, ça laguait comme un fou là. Ne vous inquiétez pas, ça lag pas pour vous. Sauf si vous faites une vidéo. Et que vous avez un PC de merde. Bon, il n'est pas non plus pourri, merde. Bon, il est moyen, on va dire. Ah, je suis tombé. Donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et Sonic va sortir de votre écran. Mince. La caméra qui s'est tout de suite retournée, c'est pas drôle. Bon bah, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et je vous mets la note dans la description.